Bon, là, j'ai mis la clé, regarde, je te fais voir. Donc ça, c'est mon boîtier Coviva qui gère les micro-modules et l'alarme. Il y a un port USB sur le côté, donc j'ai mis la petite clé qui gère Bubendurf. Et en fait, je viens de donc de mettre en route l'application. Et en fait, quand tu ajoutes des produits connectés, et ben hop, ça te propose tout de suite Bubendurf. Donc je reprends, donc là je mets c'est parti, et là ils disent veuillez débrancher puis rebrancher l'alimentation de votre volet roulant de marque Bubendurf. L'application sera configurable pendant 40 minutes après la coupure du secteur. Si l'appareil concerné est un volet solaire, il n'est pas. Donc là il va falloir que j'aille faire le nécessaire sur un des volets pour faire un test. Et après je te reprends, je te fais voir peut-être pour le reste. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Bon, après trois tentatives, si ce n'est quatre, cela fonctionne et plutôt bien. Je te montre. Du coup, volet roulant salle à manger, on peut gérer la fermeture totale et l'inclinaison des lames. Si ça veut bien prendre en compte. Alors attends. Là, tu vois, je lui ai demandé de faire une inclinaison de lames. Donc logiquement, il va descendre pour pouvoir s'incliner. Alors désolé, c'est un peu long, hein, parce que le volet n'est pas très rapide. Mais ça devrait fonctionner. Hop. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, allez, je te filme pour faire voir comment... pour paramétrer les autres. À tout à l'heure. Alors du coup, je reprends. Hop, Bubendurf, c'est parti. Donc là, je l'ai bien mis à mi-hauteur. Il me demande de le mettre à mi-hauteur, donc je le mets à mi-hauteur. Et après, il me dit d'appuyer simultanément sur les deux montées et descentes en même temps jusqu'à temps que ça clignote. Voilà, donc je relâche. Et logiquement... Il doit, ouais, voilà, il descend, il a bougé un peu. Donc là, il va faire des. Donc ça peut prendre longtemps, 2 minutes à peu près, ils disent. Donc là, il va faire des petites montées et descentes à chaque fois. Là, il me demande s'il a bougé. Donc je réponds oui, parce que je l'ai vu bouger. Et normalement, voilà. Donc là, il va faire des petites montées et descentes comme ça. Il va essayer de se caler. Donc j'ai repris là, désolé, ça a coupé du coup. Donc il l'a fait plusieurs fois, montée et descente. Et voilà. Succès. Donc c'est plutôt rapide. Et j'aime bien l'idée. Voilà. C'est bien pensé, c'est bien fait. Bravo. Bravo. Voilà. Volet roulant. Salon. Donc là, on va l'ouvrir à fond. Et voilà, il s'ouvre. Bon, tout est paramétré, je te fais voir. Alors, hop, hop, voilà. Donc là, on a tous les volets, sauf qu'il a détecté tous les volets qui avaient des lames inclinables. Je te montre. Tu vois le volet là? C'est inclinable. Donc, si j'incline les lames, voilà, ça s'ouvre plus ou moins fort. Et voilà. Donc ça, je trouve ça génial. Parce qu'en plus, la commande est instantanée, quoi. C'est impressionnant. Bref, la clé Bubendurf Coviva, je valide, top.